Je suis ici pour manifester contre le traité transatlantique. Donc voilà un traité qui est négocié depuis des années et des années entre l'Union européenne et Washington. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de modifier les règles commerciales pour que les États-Unis puissent aligner leurs normes sur les normes européennes. Donc ça veut dire en gros que désormais, avec le traité transatlantique, s'il passe, on pourra avoir des OGM dans nos assiettes, on pourra avoir des poulets aux hormones parce que la loi, le traité le permettra. Et surtout, la règle qui est la plus effrayante, c'est que ce traité prévoit de mettre en place des tribunaux spéciaux. C'est-à-dire que si une politique d'un État est positive, on décide de mettre en place une politique, je prends par exemple écologique, et qu'elle est positive pour l'intérêt général, un tribunal spécial mis en place par ce traité pourra s'opposer, comme aujourd'hui les multinationales s'opposent à des décisions positives en Amérique du Sud, en Colombie, en Uruguay, et font payer, ces tribunaux font payer aux États, alors que les politiques de ces États peuvent être positives dans l'intérêt général. Et donc, avec ce traité, on ne pourra plus rien contrôler. Ce sera les multinationales et l'oligarchie qui nous gouverne qui prendra réellement le pouvoir. C'est ça la vraie volonté du traité transatlantique. Et donc ça nous concerne tous et il faut vraiment s'y opposer parce que sinon on sera vraiment dans la passe.